Bonjour, donc à travers cette vidéo, j'aimerais vous informer sur l'anorexie et de deux pistes méconnues du grand public que je tiens absolument à vous faire part. Savez-vous que l'anorexie n'est pas forcément une maladie mentale, mais qu'elle peut résulter aussi de deux états de santé que je connais bien vu que j'en souffre? Alors, il faut savoir que l'anorexie peut être causée, comme par exemple pour moi, par une anomalie génétique sanguine. Je m'exprime. Donc, moi, je souffre de microcytose, c'est-à-dire que j'ai des globules rouges trop petits et qui génèrent chez moi une hypoxie, c'est-à-dire un manque d'oxygène permanent. Et l'une des caractéristiques de cette maladie est justement l'anorexie. Alors, je rappelle les symptômes de la microcytose qui sont dépression, fatigue, insuffisance rénale, anorexie, respiration courte, souffle coupé, difficulté pour dormir, etc., etc. Et j'aimerais aussi vous dire que l'anorexie peut vous alarmer aussi sur l'état de vos reins. Ça, je l'ai appris il y a 2 ans lors d'une septicémie. Le fait de ne pas avoir faim est un révélateur aussi de l'état de vos reins. Donc, si jamais vous êtes frappé par une anorexie subite ou que vous vous posez des questions là-dessus, sur pourquoi vous n'avez pas très faim par rapport à la moyenne. Donc je vous invite fortement à vous rapprocher de votre médecin, de faire une prise de sang, de voir l'état de votre hémoglobine. Je parle surtout pour les femmes, pour la santé masculine, je ne sais pas. Et aussi de contrôler par prise de sang et s'il le faut par des examens complémentaires l'état de vos reins. Donc tout cela pour dire aux gens qui méprisent cette maladie, trouvant que c'est une maladie de capricieuse et de bimbo, que non, l'anorexie c'est une maladie sérieuse qui n'est pas qu'une maladie mentale ou de soi-disant prise de contrôle sur son corps. Mais que l'anorexie peut être aussi révélateur de maladies telles que je viens de vous décrire. Merci de votre attention. À très bientôt.